je suis arrivé à Las Vegas. J'allais pas rester dans l'expectative et laisser le futur aux seules mains d'America's Got Talent en attendant leur réponse. Les stations de communication ne manquaient pas et j'ai entendu dire qu'il suffisait d'une seule rencontre pour vous projeter au sommet. Planet Hollywood area. He's busy all night long. Yeah. So that's a good spot. Mirage stays busy most of the time too. Out here. But if it ever slows down in here, I would go to Planet Hollywood. It's kind of busy there. Alors avec l'aide des quelques informations que j'ai pu recevoir, je me suis mis à chercher celui ou celle qui allait me connecter assez haut dans la pyramide. Et ce serait pas simple. Dans ma recherche, ma conscience plaçait la priorité sur le débridage individuel. On est arrivé à Las Vegas. Et je suis en train de trying to open people's mind, free people's mind. Do you want to know your mind free? Et ça non plus, ce serait pas simple. Quand vous débridez un esprit humain, vous avez aussi accès à des informations collectives. Ici, des milliers d'hommes et de femmes avec une passion, une énergie hors du commun se sont retrouvés sur ce chemin avant moi. Les plus chanceux d'entre eux, qui ont fait une de ces rencontres dont je vous ai parlé, se sont retrouvés enfermés chaque soir devant des centaines de personnes au nom du divertissement. Et c'est ça que vous appelez réussir. Et si j'échouais, je me retrouverai sur le banc des incompris. Au pire, celui des fous. Si je vous dérange, ça nous fait un point commun. Je suis dérangé aussi. Il me fallait alors une autre solution. La plupart des individus avec qui j'ai pu échanger après leur débridage m'ont dit que l'argent permettait aussi d'avoir de l'influence. Alors avec une technique de jeu soi-disant infaillible, dont je ne vous parlerai pas, j'allais atteindre mon objectif et m'élever dans la pyramide. J'étais sûrement encore trop crédule. C'est là que je me suis mis à douter de moi. Je me suis retrouvé ruiné et coincé dans cet endroit maudit. Et vous? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?